Ok. Allez. Eh ben, salut tout le monde. Même s'il n'y a que moi. C'est pour le replay. Ok. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, ça devrait aller. Voilà, tac. Ok. Allez, on est parti. Alors, j'ai bossé un tout petit peu. J'ai fait un petit menu, donc rien d'exceptionnel hein, dans l'ensemble. Bon, j'ai mis un nom juste comme ça vite fait. Parce que je sais pas si ça va être le nom définitif. Et on verra bien. Et donc on a un bouton avec une variable d'instance qui s'appelle nom. En fonction, c'est pour identifier le bouton, et quand on clique dessus, bah, en fonction du nom, il se passera telle ou telle chose. Voilà. Il faut faire un bouton quitter aussi. Il faudrait que on va faire ça vite. Et hop, on va mettre ça en place. Alors je regarde ce que j'ai pas de... Non, j'aurais bien voulu un... Ok, non, j'ai pas... Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher. Mais non. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Souris, viens ici. Merci. Voilà, tac. Donc, oui. J'utilise un petit site pour aller chercher mes icônes. Et moi, je voudrais... Voilà, ça. On va prendre un petit bouton power comme ça, tac, 256, ça ira très bien. Hop, on va le télécharger. Hop. Voilà, tac. Je vais me placer ça. Hop. Là, j'ai créé un dossier pour garder les icônes que j'utilise, comme ça, hop. Si je dois refaire le bouton ou autre. Ok, là, hop, on a les boutons carrés, on va... Hop, voilà, parfait. Tac. Mais non, pourquoi? Je suis caché. Forcément, si je le cache, ça va le faire. Du coup, où est mon... Non, je crois qu'il est sur... Oui, il était sur le bureau. Je vais mettre ça dans l'UI, voilà, hop. Je mettrai le menu, je changerai le nom du dossier, mais ça c'est pas grave. On va faire un bouton qui était, voilà, 0. Hop. Alors. Non, j'ai juste. Est-ce que ça, PNJ, tac, et on va, je pense qu'on va le mettre en rouge, donc il sera cliqué, voilà, tac, 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 2,
On va quand même faire la version désactivée parce que du coup, on ne sait jamais. Voilà. On va aller chercher donc notre petit bouton. Un petit, c'était un relatif, hein, parce que là, il est loin d'être petit. On va le remettre à une taille un peu plus correcte. On va le mettre là. Voilà. Et ben voilà, cool. Ok. Donc on n'aurait plus qu'à faire le. On va le mettre dans le menu. Ok. Alors, le truc là, c'est qu'on va être obligé maintenant de passer par le menu pour lancer la partie. Pourquoi? Parce que vous voyez que comment? L'objet qui nous sert pour les variables du système était dans HUD. Il était là dans le HUD et je l'ai mis donc dans le menu principal. Le souci, c'est que si on lance une scène sans passer par le menu, cet objet-là n'existera pas dans le jeu. Et donc du coup, eh ben, ça fonctionne pas comme il faut. Forcément. Donc, si par exemple là, alors non, pas la feuille de code, parce que du coup, forcément, ça va pas le faire. Mais si je lance sans passer par le menu, voilà. On a une fenêtre tout gris. Alors que si je passe par le menu, voilà, le jeu fonctionne. Parfait. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, on pourrait réunir même Variable Player, on pourrait le mettre aussi dans le menu principal. Et comme ça, ben voilà, on pourrait réunir tout dans le menu principal. Parce que, comme je vous expliquais, même quand on lance le jeu, on arrive sur le menu principal, on fait une nouvelle partie, on va dans une nouvelle scène, mais la scène du menu principal, elle, dans le jeu, existe toujours. Et donc du coup, tout ce qu'elle contient, techniquement, existe encore. Et c'est pour ça que on passe les objets en global pour qu'on puisse en fait bah, aller chercher l'ordonnée à partir d'une autre scène. On verra, on fera peut-être. Comme ça, après, ce sera pas gênant. Ok, donc, on a notre petit menu. Donc, il faudra se pencher, 1, 2, 3, se pencher sur le système de sauvegarde après, un peu plus tard. Parce que, bah, pour l'instant, mine de rien, ça avance quand même un petit peu. Et là, alors, le truc qu'il y a, c'est qu'on arrive à passer donc d'une scène à une autre, mais on ne peut pas encore retourner à une scène. Ah, je parle dans le sens où, voilà, là, on est dans notre scène donc galactique avec donc nos galaxies et nos champs d'astéroïdes. D'ailleurs, il va falloir faire un bouton aussi pour aller rejoindre les champs d'astéroïdes. Parce qu'on n'en a pas encore. Donc du coup voilà, on peut rejoindre une galaxie. Ok, on peut explorer cette galaxie. Voilà, donc il nous sort la galaxie avec des systèmes solaires, donc les points jaunes. On peut changer de système solaire. On peut explorer le système solaire. Mais là, si je veux retourner à la galaxie, ben, pour l'instant, ça fonctionne pas. Parce que
Ben, on peut pas retourner. Enfin, on pourrait faire, si on clique, on retourne à la map Galaxy. Mais le problème, c'est qu'il va régénérer une nouvelle map puisqu'elle n'est pas sauvegardée. Donc, il va nous remettre une map complètement différente. Donc, il va falloir quand même qu'on pense à faire les sauvegardes des scènes pour qu'on puisse. Voilà, il y a deux planètes. Bah pour qu'on puisse bah voyager d'une map à une autre. Hein. Ok. On va aller dans le HUD. On va se faire un petit bouton pour la map. Alors il nous faudrait un petit astéroïde, je pense, ce serait bien pour au moins un nuage pour les champs d'astéroïdes. On a un truc normalement. Tac 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 tac. Space. Où est space? J'ai perdu space. Là. On n'a rien là. Ah si, là. Voilà. Hop, eh ben, on va prendre ça, voilà, parfait. Tac. On va télécharger. Hop, hop. Tac. On va aller. Hop, sauvegarder ça dans notre dossier. Et on va se créer un petit bouton pour notre map. Donc, bouton map, voilà. Tac. Hop là, photo filtre, ça. Mais non, pas dupliquer, on va le supprimer. Mais non, mais oh, arrête de me dupliquer. Ok. Donc, on va prendre notre stéroïde. Tac, tac, voilà. Mais non. PNJ, alors là on va aller dans HUD, map, voilà, parfait. Tac. Donc on fait map, champ, capacité, profil, 0. Tac. PNJ. On va faire deux. Hop, et on met le dernier en 3. Voilà. Donc, nous. Ouais, le bouton est fait. Nickel. Tac. On va importer notre petit bouton. La map, j'ai fait du 64. Okay. Voilà. On va le mettre là. Techno, c'est dans là. Pourquoi les anime? On n'a pas fait un. Ah non, mais non, non. Suis bête. Ben oui, j'ai qu'un seul bouton map. Voilà, il faut que je l'importe ici. Menu. On va faire chien. Je vais juste mettre. Champ astéroïde, ok.
On va faire importer. Hop. Donc, le bouton map. Et on prend. Tac, tac, voilà, parfait. Comme ça, on a juste à faire ceci. Et on met. Voilà. Impeccable. Voilà qui est fait. Donc du coup, on pourra rejoindre la map champ d'astéroïdes. Okay. On n'a pas encore fait. Ah bah, de toute façon, vu que c'est la même chose que alors, ok, oui, ça on va le faire. Donc on a dit map champ d'astéroïdes. Le bouton à 3, ok. D'accord. Ça c'est bon. Donc là on a le bouton galaxie, système solaire. On n'a pas fait celui. Bah oui. On n'a pas celui de la carte galactique. Ouais. Puisque de toute façon on commence là et donc on allait de. Ok. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été encore fait. En train de réfléchir. On va le faire. Donc, à droite, on va faire un bouton. Je passe. Voilà. On a utilisé oui, il faut qu'on dise si, si, c'est bon. Oui. Il faut que ça fonctionne que sur la map galactique. Effectivement. Si on est en contact avec un astéroïde, il faut que ça marche que sur la map galactique, puisque c'est là où on aura les champs d'astéroïdes. Ok. Donc, on va lui dire que si on est en overlapping, donc avec un astéroïde, ok. Ça c'est bon aussi ça, puisque c'est juste que là il joue tac 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 l'animation champ d'astéroïde, pardon. Si on bouge pas et qu'on on joue qu'une seule fois, on passe le bouton l'animation à 0, ok, et si on bouge on le passe à 3. Ok. Est-ce que le bouton va être à 3? Non, il est à 3 que si on est. Non, je dis des bêtises, on est à 3 que si on est sur la map, oui, effectivement.
Oui. Donc, ensuite, ça c'est bon. Là, si on n'est pas en collision avec un astéroïde, que lui joue donc un astéroïde, on le met à 3. Ok, normal. Jusque-là, tout va bien. Par contre, mais si, c'est ça. Voilà. Et ça vient là. Donc si on clique sur le bouton. Non. Oui, c'est ça. C'est ça. On est en overlapping, donc avec un astéroïde, que le bouton joue l'animation champ d'astéroïde. On met le bouton à 2 et on va donc vers la map champ d'astéroïde. Et voilà. Alors, du coup, on sauvegarde ça. On va tester, mais normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Tac. Alors, on va tester. Hop. Il est sorti de là. Ok. Et on est bien sur la map. Ok, super. Ok, ça fonctionne. Parfait. Par contre, pourquoi il a grisé? Pourquoi il a... Mince. Pourquoi? Je n'ai pas ce qui vous le... Je vois qu'au début, on le masquait, non? Je dis pas de bêtises. Ouais, non, on l'a masqué en fait. Parce que techniquement, on ne peut pas y aller. Effectivement, techniquement, on ne peut pas y aller. Donc, en fait, on devrait faire plutôt comme ça. Comme ça et comme ça. Non, je dis. Ouais, parce qu'on a des galaxies, les... Ok. D'accord. Ça, c'est fait. Jusque-là, je vais dire tout va bien. Alors, on va faire les...
les espaces pour les slots. Alors, tac. J'avais pas créé un dossier pour la suite. Non. Bon, si, je vais faire comme ça. Il y a l'équipage aussi qu'il faudra qu'on mette en place. Mais ça sera un peu plus tard. Matière d'enchi. Oui. Ok. Donc j'ai dit, oui, il faut que je regarde. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait... Le problème, c'est que ça ressemble au bouton, donc c'est un peu... À moins qu'on mette... À moins qu'on mette ça... Alors, je vais... Le renommer ici, je vais faire voilà. Et si on mettait ça, comme ceci. On peut en mettre... Non, je crois pas qu'on pourra en mettre trois. Ah, quoique. Quoique. En serrant un peu, on pourrait... Un sur 10 000. Un petit cran. On aurait... Voilà. Et du coup, on pourrait créer... Comme on va avoir différents vaisseaux, on pourrait créer des vaisseaux avec différentes capacités de stockage. Voilà. Ça fait petit petit, non? Ouais, après, il faut voir exactement ce qu'il va y avoir. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Parce que ça permettrait d'avoir un emplacement avec, et puis un espace pour marquer le nom. Comme ça, on pourrait... Ouais, on va faire comme ça pour l'instant. Hop, on va mettre ça dedans. Tac, ok. On va faire bouclier. Tac. Ok, bon, ça s'arrange un peu tout ça. Les actions, elles sont là. Je pourrais les mettre avec le plier, je pourrais mettre... Ouais, on verra bien. Pour l'instant, on va laisser comme ça, c'est... Ah. Gênant. Ça, on retravaillera ça de toute façon, c'est pas un problème. Mais comme si c'est au moins d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel.
Ok. Tac. Oui. Je voulais me pencher sur le problème de pourquoi l'œil disparaît. Alors, on a dit ça certainement dans le code de la main. Oui, il est là. C'est ça. Donc, pour l'instant, sais, parce que c'est vrai que du coup, on peut pas aller. On peut aller sur les galaxies, sur les champs d'astéroïdes, mais on ne peut pas aller sur un système solaire. Ce qui est normal, puisque c'est à partir de la galaxie. Ok, mais est-ce que on pourrait simplement le laisser et puis le mettre à 3, c'est tout. Voilà. Au final, ça change pas grand-chose. Hein. Juste que de toute façon on peut pas cliquer dessus donc voilà donc normalement voilà là il s'active et on arrive sur donc ok, super. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Ah, on n'a pas fait l'arrêt. Ouais, il faut aussi qu'on puisse arrêter le. Ouais, on va programmer ça aussi. On va programmer le fait de pouvoir arrêter. Tout simplement, en cliquant dessus, puisque là. Je crois pas que le clic droit, en effet. Non plus, ouais. En cliquant dessus. Ok. On va gérer ça. D'ailleurs, forêt, voilà. Donc, si elle est activée, bon, bon. Ah mais je peux pas remettre le même clic. Enfin, pas là. Directement. Si, mais il faut changer la logique du truc. Si on clique sur le bouton, quel est activé. Et si elle n'est pas. Ok. Ce qui veut dire que là, on la mettrait à 0. Et ça, ce serait faux. Qui va observer faux.
false aussi, du coup. Par contre, je suis en train de me tromper. C'est l'inverse. Voilà. Si elle est activable, on la désactive. Si elle n'est pas activée, eh ben on l'active. Alors attention. Faut pas se planter. Parce que la foreuse, voilà. Donc non, je suis en train de faire des bêtises. Si elle est activable, on clique dessus. On lance la foreuse. Ok. Donc c'est ça. Si elle est activable. Et que la foreuse, elle n'est pas activée, on l'active. Maintenant, si la foreuse est activée, on la désactive. Voilà. Ce qui paraît plus logique normalement, à chaque fois. Ok, tac, on va aller chercher. Oui, je pense que c'est arrivé, voilà, tac. Parfait. On va l'explorer, voilà, tac. On va aller voir si tout ça fonctionne. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est le délai entre les deux. On va faire un wait 0,1 et ça devrait normalement régler une partie du souci. Tac. Voilà, donc là, il forme bien. Et si on fait ça, voilà. Il arrête. Ok, super. On peut activer le forage, donc, et le désactiver. Et ben voilà. Et normalement, parfait. Ça, c'est réglé. Pardon. Voilà.
Oh, punaise. Voilà, donc on a déjà amélioré le fonctionnement de la foreuse. Parfait. Ensuite, ensuite, ensuite. Hop. On va faire le bouton de quitter là aussi parce que. Ok, donc là on a bien notre. Voilà. Cool. Oui, je vais parler aussi de. L'équipage. Voilà, donc on arrive sur la galaxie. Tiens, j'ai vu un petit clignotement. Il faudra regarder. Donc là, forcément. Ah, tiens, c'est bizarre. Ok. Donc on a le bouton. Magnétique. S'active. Après, déplacement. Non. Non. Ok. Ah, je vais vérifier si le bug se reproduit. Tac. On va aller sur une galaxie. Hop. Ah oui, là, il est pas. Ouais. C'est bizarre. Ah non, il s'active parce qu'on est sur une galaxie. Eh oui. Ah non. Non, on peut retourner. Mais oui. Eh oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Je suis bête. C'est pour retourner à la carte galactique. Donc non, c'est bon. C'est normal. C'est pas un bug. N'importe quoi. Bah oui. Puisque là, on est sur la carte. Donc, on est sur la map galactique. Ok. On va sur la map galaxie. Et sur la map galaxie, il faut qu'on puisse repartir sur une map, sur la map galactique. Donc là, on fait ça et on repartira sur la main. Ok. Normal. Ok. Parfait. Eh ben, on commence à. Entrevoir un petit peu le truc, c'est sympa. Ok. Oui, on va faire le bouton quitter là, rapidement parce que. Bon.
bouton. Et hop. Hop. Alors, il me semble pas l'avoir mis. Je sais plus si j'ai mis dans le fun man. Yeah. Ok. Hop, on va faire plugin mouse. Un objet cliqué et hop, et on va cliquer donc sur notre bouton quitter. Ok. Donc on va déjà lui mettre une image à menu. J'ai mis où le bouton quitter là. Oui, je l'ai mis dans le système, je crois. Ah. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est dans le menu. Mais oui, il est dans le menu. Je suis bête. J'aimerais faire ça. Ok. Ah, j'ai dit 7 frames à 2. Là, on va aller dans plugin browse et on va faire un. Normalement c'est de quitter. Si, si, c'est lui qui a le nom. Close. Voilà. Close. Ok. On va mettre un tout petit délai. On va mettre 0,2. Avant de quitter. Hop. Ok, fin. Il va identifier quand même tout. J'ai mis quoi en bouton là? Ah, n'importe quoi. Ben non. Non, c'est bon. J'ai mis quoi moi? Ah, j'ai pas validé. J'ai pas fait OK, c'est pour ça. À chaque fois, je me fais avoir avec cette bêtise. Voilà, c'est ça. OK. Pourquoi il veut pas faire mes trucs? Bien sûr. Alors, on va aller. Ah, c'est bien le rouge. Alors, mais non.
Excusez. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi mon bouton il veut pas. Ah mais n'importe quoi. Il peut pas marcher, je l'ai pas mis dans le menu principal, je l'ai mis dans le. Dans le. N'importe quoi. Ah Lulu. Quel con ce con. Maï, ça marchera mieux dans le menu principal, c'est dans le menu principal. Forcément. Ouais, tout de suite ça fonctionne mieux. Effectivement. Donc on va mettre le petit wait 02 avant de fermer. Voilà. Impeccable. Ok, c'est cool. Ça fait une petite heure, je vais couper là, et je reviens un peu plus tard. Voilà, et on va mettre le système de sauvegarde en place. Ce soir, on fait le système de sauvegarde. Ok. Bon, allez, une petite heure, c'est bien. Je coupe là et je vais faire les quelques bricoles que j'ai à faire et on se lance. Ce soir dans le système de sauvegarde. Donc, je vous dis à tout à l'heure.